We ask the question. What is needed in the world? Is that going to be what's going to be? The news became public only a few days ago. French authorities asking the European Parliament to lift the immunity of far-right leader Marine Le Pen so she can be prosecuted for inciting racial hatred. In 2010, the National Front president likened Muslim street prayers in France to the Nazi occupation, sparking widespread condemnation. Many Muslim leaders have blamed Marine Le Pen's fiery rhetoric on Islam and immigration for the alarming rise in Islamic intolerance and xenophobia in France. But she insists she's neither racist nor xenophobic, but simply a patriot. And it's a discourse that's increasingly appealing to many French, especially during these tough economic times. High unemployment, factory closures, rising food prices has given unexpected credibility to Le Pen's anti-Europe, anti-immigration stance. And her efforts to revamp the National Front's previously overtly racist and fascist image has also led to a surge in public support. Marine Le Pen won 18% of the vote in the first round of France's presidential election in April, the party's highest ever score. Talk to Al Jazeera sat down with Marine Le Pen at the European Parliament in Strasbourg, where she's serving her second term as member of the European Parliament. Marine Le Pen, thank you very much for talking to Al Jazeera. I'd like to begin with an issue that you've been very vocal about, and that is Islam and its place in French society. Do you consider today Islam to be a threat to the values of the French Republic? Non, ce n'est pas l'islam qui est une menace. C'est le fondamentalisme, ce sont les aspects les plus radicaux, c'est la volonté d'un certain nombre de groupes politico-religieux d'appliquer la charia, c'est-à-dire de mettre au-dessus de la loi républicaine une loi qui serait une loi religieuse. C'est ceux qui expriment en toutes circonstances des revendications qui vont à l'encontre de notre culture, de notre mode de vie, de nos mœurs, avec, il faut bien le dire, parfois beaucoup d'agressivité. C'est ça qui est une menace. You make a distinction between radical Islam and faithful Muslims, but it would seem that not all French people make that distinction. So there seems to be a discourse amalgamating radical Islam and faithful Muslims, a discourse which some people say you supported and you were behind. So aren't you responsible in some way of this lack of differentiation that people tend not to make between radical Islam and faithful Muslims? Je peux vous dire que c'est une responsabilité politique, elle n'est pas de mon fait. Elle est du fait de ceux qui, notamment à la direction de la France, ont refusé que l'on s'attaque ou que l'on critique le fondamentalisme au motif que toute critique du fondamentalisme et du radicalisme était une critique de l'islam. Alors après, il ne faut pas s'étonner que les Français font un amalgame entre les deux. Bon, et puis il y a un autre problème qui est un problème de fait. C'est une immigration massive. Aucun pays du monde, madame, n'accepterait de subir une immigration aussi rapide, aussi importante, de personnes qui, incontestablement, ayant une religion et une culture différentes, bousculent les Français. But just coming back to the issue of Islam, we heard during the campaign the whole controversy over halal meat. You can't deny that somehow you initiated that controversy over halal meat at a time when perhaps you were looking for voices during the election. Des millions de Français mangent du halal tous les jours sans le savoir. Est-ce que c'est supportable? Je veux dire, est-ce qu'un pays musulman accepterait que on fasse manger à la population? But is it really a concern for the French people? Évidemment que c'est un problème. D'abord, c'est un problème parce que ça rompt notre loi sur la laïcité. Parce que, effectivement, faire consommer du halal à des gens qui ne sont pas religieux, c'est contribuer, grâce à cette consommation et de manière complètement non transparente, à financer un culte. Bon, premièrement. Deuxièmement, ça heurte les consciences. Mais enfin, écoutez, si dans un pays musulman... But at the time of the controversy,
si dans un pays musulman, on faisait manger des hosties consacrées sans le savoir à des musulmans, ils hurleraient. Bon, et ils auraient raison. Si on leur faisait consommer des produits soi-disant halal dans lesquels il y avait du porc sans qu'ils le sachent, ils hurleraient et ils auraient raison. Il n'y a absolument aucune raison que, inversement, les Français soient obligés de consommer du halal sans le savoir. But again, are French really concerned about this issue? Because at the time of the controversy, when it first started, a majority of the French surveyed didn't seem to care about whether they were eating halal meat or not. All they were concerned about was whether they were eating altogether. Non, c'est exactement l'inverse, madame. C'est un sujet, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs le président de la République, Nicolas Sarkozy, après avoir commencé à traiter ce problème d'un revers de main, a fait un virage à 180 degrés pour dire que c'était un sujet dont les Français étaient... C'était le premier sujet à l'époque où j'en ai parlé, dont les Français discutaient. Parce qu'encore une fois, c'est extrêmement choquant. Et je voudrais que vous compreniez qu'il n'y a pas de raison de demander aux Français d'accepter des choses qu'aucun autre peuple du monde n'accepterait. C'est aussi simple que cela. Moi, je n'ai de haine à l'égard de personne, mais je ne veux pas que l'on demande à mon peuple de supporter des choses que personne d'autre ne supporterait. What do you respond, Marine Le Pen, to those who accuse you of shifting the attention to secondary issues because you have no solution for the economic crisis, no solution to high unemployment, no solution to urban violence, of shifting the attention to Islam in order to reinforce your political credibility? Non, mais pardon, qui m'accuse de ça? Ceux qui sont au pouvoir depuis 30 ans? Qui ont mis la France, qui était un des pays les plus riches du monde, dans une situation de faillite? Ceux qui m'accusent de ça sont les champions du monde du chômage, les champions du monde de la dette, les champions du monde des déficits, les champions du monde de l'explosion de l'insécurité. Et ce sont eux qui sont assez crédibles pour venir me dire que moi, je n'ai pas de solution. Bon, écoutez, je crois que les faits parlent en l'occurrence d'eux-mêmes. Je ne prends pas l'islam comme ennemi en aucune circonstance. Je dis qu'il y a un problème majeur d'immigration massive et anarchique dans notre pays qui crée les conditions de conflit, de désintégration de la société, qui bouscule notre indivisibilité, nos lois, et notamment la loi sur la laïcité. Et je crois effectivement qu'une immense majorité de Français sont d'accord avec moi sur ce sujet. All right, coming back to that question of secularism, France, we know, is very adamant about secularism. This law on secularism dates back to 1905, at a time when the French state was dealing with a very powerful church, which is not the case anymore. The context today is very different. Shouldn't this law on secularism be amended? Non, mais écoutez, nous avons dans notre... chaque nation a son ADN, a son histoire, a son identité. Bon. La France a été secouée par des guerres de religion qui ont été terribles. Nous avons cette crainte, nous, dans notre conscience collective de peuple. La loi sur la laïcité a été là justement pour éviter le retour de cette guerre religieuse. Or, je remarque une chose, madame, c'est que l'affaiblissement de la loi sur la laïcité, que je combats aujourd'hui, je combats cet affaiblissement, eh bien, entraîne justement la remontée de conflits religieux. Et c'est bien pour cela que je veux que la loi de 1905 soit à nouveau appliquée avec toute sa rigueur, notamment sur le non-financement des lieux de culte, quels qu'ils soient, parce que je pense que c'est un élément qui n'a pas été créé pour ça. Yeah, but some Muslims feel that this law is being used to target them specifically. Madame, nous sommes, la France est un pays de culture gréco-latine et de civilisation chrétienne. Voilà. Et ceci détermine tout notre mode de vie. Ça détermine notre calendrier. Ça détermine la manière que nous avons de nous comporter avec les autres. Ça détermine les rapports entre les hommes et les femmes. Bon, par conséquent, qu'il y ait une réticence, une résistance à ce que cette culture se voit imposée ou faire face à des réclamations qui sont divergentes, rien n'est plus naturel que cela, madame. Et ce serait la même chose, encore une fois, à l'inverse. Si demain, il y avait dans un certain nombre de pays musulmans des réclamations systématiques de la part de l'Église catholique pour obtenir ceci, obtenir cela, ne pas être soumis à telle ou telle loi, évidemment, il y aurait une réticence de la part des pays musulmans. France bans the wearing of conspicuous religious symbols in public schools, the full-face veil in public, we know. But you, Marine Le Pen,
a few months ago said you wanted to go even further and ban Muslim headscarves and the Jewish kippah in public. Is that what secularism is also? The eradication of all religious expressions? Je pense qu'il est nécessaire que la loi de 1905 revienne dans toute sa force et sa fermeté. Or, il est incontestable que la loi de 2004 qui interdit les signes ostensibles à l'école et qui donc interdit le voile et la kippa, et qui existe, qui n'a été contestée d'ailleurs par personne, moi je réclame que cette loi... Je réclame que tout le monde comprenne que cette loi... soit élargi à l'ensemble de l'espace public. Et là encore, les Français, d'après les études d'opinion, le réclament avec moi. But as recently as April, you said that secularism isn't about forbidding wearing religious clothing or religious signs. So you've changed your mind then? Parce que dans votre esprit, un religieux est quelqu'un qui a une religion. Dans la langue française, le religieux, c'est par exemple le prêtre, le rabbin, l'imam. C'est ce qu'on appelle le personnel religieux. Donc le personnel religieux peut avoir des habits religieux. Mais tout le reste devrait ne pas pouvoir se singulariser, en quelque sorte, par une présentation de sa religion avant une présentation de son individu. C'est un peu ça l'esprit de la laïcité. C'est l'on se croise dans la rue, vous ne pouvez pas savoir quelle est ma religion et je ne sais pas quelle est la vôtre parce que l'individu prime en quelque sorte sur la religion qui participe de son espace privé. All right, let's talk about radical Islam, which you touched on a bit just a few minutes ago. You said that radical Islamists are taking over French suburbs. Who's responsible for that and why do you think that is happening? Ah bah d'abord, moi je considère que ce sont les politiques qui en sont responsables parce que c'est toujours ceux qui n'empêchent pas quelque chose d'arriver et qui en ont pourtant le pouvoir qui sont responsables de cela. Parce que je pense que les mouvements politico-religieux s'appuient sur un mal-être. Ils s'appuient encore une fois sur des générations qui n'ont pas été assimilées dans la France à cause du nombre, à cause de l'abandon des procédures d'assimilation qui étaient celles de la France et qui ont permis à des générations entières d'étrangers de se fondre dans la communauté nationale. Et donc ils se servent de ce mal-être pour recruter en quelque sorte. But how widespread really is radical Islam in France? Isn't it an overstatement to say that, you know, it's highly widespread in the suburbs? Because the Salafists who are said to practice pure Islam are what, between 10 and 15,000. So isn't it an over-exaggeration to say that radical Islam is highly present in French suburbs? C'est une bonne question. C'est à eux de la poser. Ce qui est une certitude, c'est que les comportements se radicalisent, madame. Voilà. Nous avons il y a eu des musulmans en France, et je vais vous dire, nous les avons d'ailleurs défendus, puisque je vous rappelle que après la guerre d'Algérie, nous avons été le seul parti politique à défendre les harkis et à se scandaliser de la manière dont ces harkis avaient été accueillis en France. Ils étaient des Français musulmans, et ils étaient incontestablement nos frères. À l'époque, il n'était même pas question de porter le voile, ou d'exigences quelconques. C'était la grande époque de la laïcité. Il n'y a pas eu que la France, vous le savez très bien, il y a eu la Tunisie, il y a eu la Turquie, etc., etc. Or aujourd'hui, c'est vrai que par le nombre, hein, très important et très rapide, ces exigences sont de plus en plus fortes. Je vous rappelle tout de même que je me suis élevé contre les prières de rue et on me l'a reproché au même moment où l'Algérie elle-même interdisait les prières de rue. Donc il y a un moment, il ne faut pas non plus être de mauvaise foi. Je pense que ceux qui sont de bonne foi savent que les exigences que je porte sont tout à fait légitimes. Et je vous rappelle une phrase qui... fait la paix des peuples et notamment des migrations. À Rome, fait comme les Romains. Voilà. Which brings us to Qatar, which you've talked about a great lot recently. Qatar and France have set up a joint investment fund of about $380 million to invest in French suburbs. Now, you accuse the Emir of Qatar, Marine Le Pen, of financing what you call Islamic fundamentalism. Can you elaborate? Bah écoutez, très clairement, je veux dire, je crois que le Qatar a financé et finance encore et arme et contribue à armer des mouvements djihadistes, comme ça a été le cas en Libye, comme c'est encore le cas en Syrie. Je pense que le Qatar a un comportement extrêmement ambigu. Qatar invests in French companies.
there doesn't seem to be a controversy, but when they invest in the French suburbs, there's a lot of noise about that. Why? Il devrait y avoir autant de bois. Je suis un défenseur absolu, intégriste de notre liberté et de notre indépendance. Je ne veux pas qu'un pays étranger, qu'un fonds souverain étranger, prenne possession de nos grandes entreprises stratégiques, investisse dans nos banlieues au risque d'y exprimer une influence différente de celle de la France. Mais encore une fois, madame, tous ceux qui sont attachés à leur identité, à leur nation dans le monde me comprendront et personne n'accepterait l'inverse. Why is it Qatar invests more in Great Britain than in France? They invested the equivalent of $20 billion in Great Britain over the last two years. Why is there no such controversy in Great Britain? Vous croyez que la Grande-Bretagne c'est un exemple? Vous avez vu les conséquences du multiculturalisme en Grande-Bretagne? Vous avez vu les conflits qui existent? Vous avez vu les discours de haine qui se répandent? Mais moi, je ne veux pas ça pour la France, justement. Je regarde ce qui se passe et je ne veux pas ça. Je pense qu'en France, il faut qu'il y ait encore une fois une cohérence. Que moi, je suis pour la diversité des pays. Je défends les cultures de tous les pays. Je défends le droit de tous les pays à défendre sa culture, son identité. Mais je veux aussi qu'on me laisse la liberté de le faire pour la France. Je veux que la France reste la France avec ses lois, ses codes, ses mœurs, ses modes de vie et pas les lois, les codes, les mœurs, les modes de vie d'un autre pays. But voilà. Qatar investing in French companies is also beneficial to the French economy, especially at a time of crisis right now. Oui, what bothers you? Is it the fact that madame, it's a Muslim country or oui, mais madame, is it something oui, mais else? Madame, c'est ça le choix difficile qu'il y a à faire. Quand on est attaché à la liberté et à l'indépendance de son pays, si lorsque nous avons des difficultés financières, nous sommes prêts à tout abandonner face à un mur d'argent, eh bien, ça veut dire que ceux qui nous gouvernent n'ont pas la tenue, n'ont pas les épaules, n'ont pas les tripes pour nous diriger. Eh bien, je préfère être pauvre et libre que d'accepter de l'argent d'un autre pays, quel qu'il soit d'ailleurs, qui quelque part prendrait un peu la main et diminuerait ma liberté et mon indépendance. Et moi, je suis convaincue, encore une fois, que tous les nationaux, ceux qui sont attachés à leur nation, peuvent comprendre ma position. Which brings us to the economy, and the French economy is not doing well right now. Moody's has lowered France's credit rating, and the British weekly The Economist was headlining recently that France is Europe's time bomb, painting a very bleak future for the French economy, saying that France risks knowing the same fate as Greece. Do you think it's provocation, as some politicians have said, or is France really facing a bleak future today economically? Non, c'est la vérité. Sauf que la France n'est pas plus responsable de cette situation, enfin, n'a pas toutes les responsabilités sur son dos, pas plus que la Grèce, le Portugal, l'Italie et l'Espagne. C'est le système économique qui a été construit et imposé par l'Union européenne qui est à l'origine, qui est le responsable de l'effondrement de nos pays. C'est la monnaie unique qui est le responsable de l'effondrement de nos pays. Et c'est la raison pour laquelle je plaide pour le retour aux monnaies nationales. You want France to exit the euro? Non, je pense que tous les pays doivent retrouver leur indépendance. Je pense que l'Union européenne s'est transformée en Union soviétique européenne. But how do you do that? How do all countries go back to their national currency? It would be a nightmare, an institutional nightmare for Europe, wouldn't it? Enfin, je veux dire, c'est quand même incroyable. L'euro n'est qu'une parenthèse dans l'histoire de France, hein. Nous avons 2000 ans d'histoire. L'euro, c'est 10 ans, excusez-moi. C'est minuscule. Bon, et ils ont fait une expérience. Cette expérience est un échec majeur. La zone euro a eu la croissance la plus faible du monde depuis que l'euro a été créé. Notre continent, qui était un continent un des plus riches du monde, est en train de devenir un continent, encore une fois, en faillite. Bon ben voilà, l'expérience a échoué. Il faut maintenant que ceux qui nous ont imposé cette expérience admettent cette situation et que l'on déconstruise de manière organisée, tranquillement, ensemble, le retour aux monnaies nationales et donc le retour à la prospérité. Mm. Since September, France has expulsed some 3,000 Roma people from its territory. The United Nations Special Rapporteur has accused the French government of fueling racism against the Roma and of not respecting its commitments to international conventions on human rights. How do you justify, you, Marine Le Pen, these expulsions?
Non, mais écoutez, moi, tous ces grands responsables des Nations Unies, de l'Union Européenne, ils n'ont qu'à ouvrir leur très grande résidence secondaire pour accueillir les Roms. Parce qu'à un moment donné, si vous voulez, c'est bien beau de donner des leçons, mais en l'occurrence, ce sont la partie du peuple la plus pauvre, les plus populaires, qui sont obligées de se pousser pour faire de la place aux Roms. Les Roms, ils ont une nation, et bien qu'ils restent encore une fois dans leur nation. Vous savez, je vais vous dire une chose, les problèmes d'immigration massive que nous vivons aujourd'hui et que nous vivrons demain, ça ne va pas toucher que la France. Moi, j'ai bien vu au Maroc qu'il y a la une du grand hebdomadaire marocain s'inquiète et qui tire la sonnette d'alarme sur l'immigration de Centrafrique. Je vois bien en Algérie ceux qui tirent la sonnette d'alarme sur l'immigration chinoise. Voilà, ces grandes migrations seront le problème du 21e siècle. But again, collective expulsions. We're talking about collective expulsions here that are prohibited under international law. Comment on fait Si vous avez un camp de Roms de 200 personnes, ils sont tous en situation irrégulière. Bah, vous arrivez dans le camp de Roms et vous dites, bah, écoutez, messieurs, vous êtes gentils, mais il faut rentrer chez vous. Vous voulez qu'on fasse comment? Je veux dire, on en prend un, on lui dit, toi tu rentres chez toi lundi, toi tu rentres chez toi mardi, pour faire plaisir aux instances bien pensantes de l'Union européenne, etc., etc. Non mais, il faut être sérieux. Je vous rappelle quand même que c'est l'Union européenne qui était censée nous protéger, protéger nos frontières de l'immigration. Ils ont été incapables de le faire. Schengen est un échec absolu. Frontex est un échec absolu. Alors il y a un moment donné, si vous voulez, on ne peut pas dire on va le faire à votre place et quand on ne le fait pas, venir condamner les pays qui prennent la décision de le faire eux-mêmes. Même si ça ne sert à rien, puisque de toute façon, compte tenu des règles qui nous sont imposées, ils traversent la frontière et ils la retraversent une journée plus tard. A few questions on international issues, just a very few questions. François Hollande became the first Western leader to officially recognize the Syrian National Coalition as the sole and legitimate representative of the Syrian people. Others have now followed suit. Is that a good thing? Non. Non, non, comme d'habitude, la France est la première à se précipiter, à reconnaître des oppositions dont on ne sait pas d'ailleurs de qui elles sont véritablement constituées. Moi, je me souviens qu'on a fait la même chose en Libye. On nous a dit que l'opposition était le représentant de la démocratie. Ces gens sont arrivés au pouvoir grâce à nous et ils ont imposé la charia, dont je suis désolé, mais je considère qu'elle est radicalement contraire à la démocratie. Should have stayed in power in Libya for you? Écoutez, à choisir, je préfère un régime autoritaire, laïque, qu'un régime autoritaire islamiste. Ouais. Mm-hmm. So, do you think then that Western values of democracy cannot be applied to Arab countries? Je ne dis pas ça, mais c'est compliqué. On l'a vu en Irak, mais ce n'est pas tellement pour une raison de religion, c'est pour une raison d'histoire des pays. Regardez l'Irak, si vous voulez. L'Irak, on a voulu y apporter la démocratie. On n'a pas compris que l'Irak était un pays qui était divisé historiquement en un certain nombre de communautés, justement, en un certain nombre avec un fonctionnement tribal. Et par conséquent, on a précipité la chute de Saddam Hussein. Mm. Et ça n'est pas ni la prospérité, ni la liberté, ni la démocratie qui ont succédé. C'est le chaos, c'est les meurtres, ce sont les attentats, et c'est la guerre civile. On the Israeli-Palestinian issue, where do you stand? What do you think is a solution, if there is one, to resolving that crisis? Oh mon Dieu, vous savez, si on avait la solution miracle, ça se serait. Is a two-state solution still viable, in your opinion? Depuis le temps que dure ce conflit. Je pense que l'État palestinien doit être reconnu comme un État à part entière. Parce que la contrepartie de cette reconnaissance, ce sera aussi les responsabilités qui seront celui de cet État nouvellement reconnu. Je pense qu'Israël a le droit à sa sécurité. Mais je pense que ce qui se passe aujourd'hui, que la manière dont Israël répond à l'action du Hamas est disproportionnée parce qu'elle touche des populations civiles et que ça ne m'apparaît pas, loin de là, être la bonne solution. All right, I have one last question for you, Madame Le Pen. They say that you have basically managed to give a more respectable image to the National Front in France. Why do you think that is? Why is Marine Le Pen's National Front different from that of Jean-Marie Le Pen's?
Je ne sais pas, je suis une... Ben, si vous voulez, toute la diabolisation qui a été faite autour de Jean-Marie Le Pen est beaucoup plus difficile à m'appliquer. Bon, c'est déjà une première chose. Nous n'avons pas le même âge, nous n'avons pas le même parcours. Moi, je suis une mère de famille. Voilà, je suis une mère de famille française qui aime son pays, qui pense que la France doit vivre. Et que c'est le bénéfice du monde, somme toute, que la France reste la France. Donc je n'ai encore une fois de haine à l'égard de personne, mais j'ai un immense amour pour mon peuple et pour mon pays, que je défendrai effectivement en toutes circonstances. Je pense que ça a été entendu, et ça commence à être entendu de plus en plus, en France, mais aussi à l'étranger. Thank you very much, Marine Le Pen. C'est moi qui vous remercie. Thank you for your time.